Les Marines se sont bien battues. Pas étonnant, c'est la Terre. Mieux vaut tard que jamais. Où est-ce qu'on t'a appris le respect, Roméo ? Ce que j'en dis, ils en ont raté, hein, Dutch ? Non, ils l'ont laissé pour nous. Vous savez quoi faire ? On y va ! Eh, salut, beauté. Au nacelle. Vite. Les remplaçants ? Comme nous tous, après tant d'années de guerre. Au moins, ils écoutent. Ils m'écoutent, moi. Et ça ne va pas leur plaire. Les ordres sont les ordres. Allez, Véronica. Qu'y a-t-il de plus important que ce destroyer ? Mes ordres. Et Buck ? Appelez-moi capitaine. Je passe mon tour. Mais vous pouvez m'indiquer où m'asseoir. C'était quoi cette armure qu'elle portait ? Je sais pas, Mickey. C'est pas son équipement que je regardais. Tu veux rire ? Combat rapproché, les gars. C'est parfait. L'avant-dernière place, à côté de la mienne. Vénard. Et c'est quoi son petit nom, chef ? C'est Madame Service Secret. Notre nouveau boss. J'y crois pas. Alors bouclez-la. Tous à vos postes. Et préparez-vous au largage. Mais putain, mais qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça dans un vaisseau Covenant ? On se réveille, ma poule. T'inquiète, le bleu, il a rien contre toi. Allez, c'est toujours difficile. Faut savoir encaisser sans broncher. D'après nos informations, les troupes covenantes se rassemblent sous le destroyer. Santé ? Pourquoi ? D'ici, on n'a aucun moyen de le savoir. C'est parti, Marine ! J'ai pas l'intention de nettoyer vos nacelles ! Autant pour moi, ils se sont fait botter le cul ! Hé, Roméo ! Tu te souviens quand tu dis de la boucler ? Ouais. Considère ça comme un ordre. Capitaine, point de contact à 15 pieds. Correction de trajectoire en cours. Nouvelle cible. Elle a dit quoi, là ? Cible ? On dévie de la route ! Nous allons exactement là où je veux aller. On va rater le destroyer ! Radiation ! Les Covenants ont lâché une bombe ? Non ! Le destroyer, c'est une faille ! Spatio-temporel, il faut... Tu rêves, perte de puissance. Envoyez vos parachutes, ça va secouer ces nerfs. Et c'est quoi son petit nom, chef ? C'est Madame Service Secret. Notre nouveau boss. J'y crois pas. Alors bouclez-la. Tous à vos postes. Et préparez-vous au largage.
Ouais. Juste une seconde. Ça a bien secoué. La porte est coincée. Toi, ça va, Bug? Ah, au poil. Bon, quand t'auras fini de faire le mariole, tu devrais pas d'aide. J'ai fait une bourde? Parce que je ne regrette qu'une chose à propos de nous deux. De n'avoir pas vu tout de suite que tu étais un vampire. Au lieu d'un sourire, je t'aurais balancé de l'ail. C'est ce qui m'a fait craquer, c'est toi, Bug. La façon dont tes lèvres ne s'activaient plus vite que tes neurones. Écoute, c'est bien que mon grade n'a rien à voir. On s'était mis d'accord. C'est de l'histoire ancienne, Véronica. Les détails m'échappent un peu. J'ai rencontré pas mal d'autres pigeons depuis. Pourquoi m'avoir choisi pour cette mission? D'une, tu es le meilleur soldat que je connaisse. De deux, tu ne te souviens vraiment pas. Tu m'avais posé une question après cette nuit. Je me rappelle que t'avais pas répondu. Répète ça, Bud. Je te reçois mal. J'ai dit, bouge pas. J'arrive tout de suite. Fred a manqué. Secteur blindé de Covenant. Faites attention. Ne vous inquiétez donc pas. Ça n'aidera personne si vous vous faites tuer. Je suis là. Ça va aller. Oh merde. Wow, wow. Wow. Bordel, c'était quoi? T'as déjà vu un truc pareil? Hé, hey, Roméo, t'entends ce que je dis? Oh, je vois. Permission de parler, petit branleur. Non, je sais pas ce que c'était. Mais un peu plus et vous étiez cuit. Comme le capitaine. Ouais, possible. Des nouvelles de Mickey? Dutch? Négatif. Le bleu? Il faut sortir de ce merdier et se relier au réseau. Un de nos drones a dû voir où ils sont tombés. Alors on laisse tomber la mission de la dame? Est-ce qu'au moins elle vous a dit ce qu'elle voulait? Non. Jamais. Peu importe. Maintenant, le seul truc qui m'intéresse, c'est sortir mes gars de cette ville. Toi y compris. Des nouvelles de Mickey? Dutch? Négatif. Il faut sortir de ce merdier et se relier au réseau. Un de nos drones a dû voir où ils sont tombés. Restez un peu sur la terre ferme. Ah, Seigneur, je suis pas pilote, moi. Faites que les cascades soient finies pour aujourd'hui. Oui. Et je dois en penser quoi? Amen. Mmh.
dispersé, mort, j'en sais rien. On a besoin de toute l'aide disponible. Devine un peu, Einstein. Oh ! Oh ! Sale enfoiré ! Tu veux vivre ? Alors ne reste pas dans la rue ! Attendez-moi ! Des nouvelles du chef ? Non, Roméo non plus. Ah, alors y a plus que toi et moi. Mon avis, on se planque et on attend. Oh, enfin ! Est-ce que l'un de vous s'y connaît en explosif ? Ton avis n'est plus d'actualité. Oh. On se dépêche. Tu veux t'en charger ? Après toi. Mais pour ça, vaut mieux pas se précipiter. C'est ok ? C'est le signal ! Armez les autres détonateurs et revenez ici ! Allez, mon grand, faut faire sauter ce pont. Dodge ! Arme les autres charges ! Et ses apparitions. Oublie-les, il faut placer ses explosifs. Hé, hey, vous connaissez le sergent artilleur Buck ? Et comment ? Je vous le passe. Content de vous savoir en vie. Pareil pour nous, chef. On passe vous prendre. J'ai pas de refus. On est au QG de la police. Vous pouvez nous y amener ? Affirmatif. Parfait. Vous retrouverez où ? Quoi ? La journée ne finit pas si mal, en fin de compte. Vous pouvez nous y amener ? Affirmatif ! Parfait. Je vous retrouve en haut. C'est bon ? Ouais, c'est ok. Hé, le bleu, t'es là ? Réponds, c'est un ordre. Laissez tomber, chef. Même s'il n'est pas mort, il est perdu dans cette soupe. On capte rien là-dedans. Laissez tomber ? Et si t'étais à sa place ? Je dis ça, je suis pas mort, moi.
T'es une belle enflure, Roméo. Bienvenue à bord, les filles. Direction très loin d'ici. Banshee, à 6 heures. Baisse-toi. On va crasser. Oh. Attention. Mickey, Dodge, répondez. Mort ou vivant, on les tire de là. C'est compris? Ouvre la voie. Je te couvre. Dispersion! Enlevez-moi cette saloperie. C'est grave. Pas terrible. On va te sortir de ce merdier. Par les airs, c'est mort. Ça va aller. J'ai une autre solution. On y est presque. Posez-moi une minute. Dodge, trousse de soins. C'est quoi le problème? Poumon perforé. Respire mal. C'est mieux? Et maintenant? Il y a des trains souterrains qui mènent à la vieille ville. Il faut trouver un des tunnels pour sortir à pied. Vous allez me porter pendant tout le trajet, Mekai? C'est ce que je pensais faire, mais maintenant que tu te sens mieux... Ferme la porte! Dans l'os, c'est ça? Pas encore. Attendez. On va prendre cet engin. Il atterrit! C'est l'occasion! Mickey, suis-moi! Thank you.
Stabilise l'engin, Mickey. Tu vas tenir le coup? On a bien fait d'abandonner le plan de départ. Regardez ces tunnels. Ceux qui ne sont pas inondés doivent être infestés par la vermine. Je mettrai pas les pieds là-dedans, même si on m'en donnait l'ordre. Allez, Véronica. Qu'y a-t-il de plus important que se destroyer? Mes ordres. Et Buck, appelez-moi capitaine. Mickey, fais demi-tour. Trouve un endroit sûr pour atterrir. Quoi? Pourquoi? J'ai perdu quelque chose. Maintenant, je sais où chercher. Quelqu'un m'entend? Ici le capitaine Véronica Dare. Ma balise est activée. J'ai besoin d'aide. Vite! Si quelqu'un m'entend, répondez! C'est vous? J'ai cru. Peu importe. C'est quoi votre nom déjà? Entrez, vite! Par ici, et ne faites pas de bruit. Des crétins ont détruit le bâtiment en haut de la gaine. Et réveillé les saints. En bas, c'est le surintendant. L'IA qui gère tous les systèmes de la ville. Ma mission, notre mission, est de sécuriser les données du surintendant. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'une seule voie d'accès. Par les saints. Ça aurait été du suicide d'y aller seul. J'espérais davantage de renforts, mais il n'y a que vous. Vous êtes en solo depuis le début? Vous vous battiez en surface? Si vous ne vous êtes pas planqué toute la nuit, c'est que vous savez ce que vous faites. Montrez-moi. On les a déjà vus dans d'autres opérations, mais jamais de si près. Ce qu'on sait d'eux, ce sont des prisonniers ou des esclaves. Quoi qu'il en soit, eux non plus n'aiment pas les Covenants. La rupture spatio-temporelle a grillé les circuits du surintendant, et je pensais qu'il essayait de l'achever. Maintenant, je comprends que tu ne voulais aucun mal au surintendant. Tu essayais de le réparer. L'ONI les appelle ingénieurs. Ils pensent que ce sont des super-ordinateurs organiques. Si je ne me trompe pas, celui-ci a pris les données du surintendant pour les combiner aux siennes. Tout ce que nous voulons savoir sur les Covenants, ce qu'ils sont en train de chercher sous cette ville, est juste ici. Les saletés ont déclenché l'alarme.
Buck! Véronica! C'est où, bon sang? Au centre de données, mais on arrive. Oh! Je t'expliquerai plus tard, mais évite à tout prix de tirer sur tout ce qui est rose. Tout ce que tu veux, mais dépêche-toi! Les brutes sont là pour l'ingénieur. Ils le tueront à la moindre occasion. Toi, tu restes derrière moi. Ok? Oh, bon Dieu, ce truc pur! Ça me rappelle un peu mon... Et ça, pourquoi? Pour abandon de mission. Quelle mission? T'étais hors zone. L'équipe était dispersée. Et ça? Pour être revenu. Merci. Beau travail, le bleu. Bien joué. Mais c'est pas encore fini. Ils sont arrivés quand? Ils ont débarqué juste avant que je descende sous terre. Et tu as attendu tout ce temps pour me le dire? Oh, désolé, j'étais juste occupé à faire en sorte que ton copain qui pue n'explose pas en prenant une balle. Eddie Buck, tu penses toujours avec ton flingue. Tu n'as pas changé. Moi? Si on parlait de toi, avec tous tes secrets de l'ONI, tu n'as jamais pu dire oui ou non à un mec. Ça, c'est petit. Oh, tu l'as bien cherché. Je pensais que je ne te reverrais jamais. Ah ouais? Eh ben... Je suis là. Il faut qu'on bouge, vite. Tu étais trop occupé pour prévoir une sortie? J'ai volé un fantôme. Oui, merci, je l'ai caché dans le chantier naval plus loin. Mais il n'y a que deux places. Alors ce truc va devoir s'asseoir sur tes genoux. L'ingénieur, il a disparu. Couvrez-moi. Et tenez la cadence. Un bon conseil, le bleu. T'es déjà tombé amoureux? Trouve-en une cassure. Ce truc est sûr. Tant qu'il se fait pas toucher. Allez, bon sang, bouge! Ah, et merde! Y'a pas à dire. C'était une putain de nuit. Ça va aller. On en a bavé pour ça? Donne-lui des soins, tu veux? Il est important. Il sait des choses. Chef. C'est pas de l'extraterrestre que je parlais. Mickey? Je vais t'envoyer un copilote très spécial. Oh, pas ça! Non, mais t'es pas un de ces trucs ici! Ça mord pas. Et contrairement à toi, il sait quoi dire aux destroyers pour qu'ils nous lâchent. Je crois qu'ils sont occupés à autre chose. On dirait qu'ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Mais et toi? Et nous deux alors? Gagne cette guerre. Et repose-moi cette question.
Hood vous a donné l'autorisation. Mais c'est mon opération, et c'est à moi de le faire. Nous n'en avons qu'un seul. C'est très délicat. Ne vous en faites pas. Je sais parler aux aliens. Il a un accès au réseau des Covenants ? Oui, mais limité. Nous ne savons pas exactement comment il gère la connexion à distance au... Mais qu'est-ce que... Wow, doucement ! Doucement ! Sergent-major, attention ! C'est hautement explosif. Les brutes. Les fumiers qui ont fait exploser tes copains et tuer des millions de mes congénères. Ah. Ils creusent un trou. Tu vas m'expliquer ce qu'ils cherchent exactement. Et ensuite, tu vas m'aider à les arrêter.